les principes fondamentaux de la méthode Pilates. Bonjour, c'est Fabien du studio Pilates et Yoga. Le Pilates donne des résultats extraordinaires à ceux qui le pratiquent régulièrement. Cette efficacité est due à 9 principes. Ce sont les principes fondamentaux de la méthode Pilates. Sans ces principes appliqués, le mouvement effectué n'aura absolument aucun sens. Je vous donne ici une brève description de chaque principe, mais sachez que je les ai détaillés un par un dans d'autres vidéos. Principe numéro 1, la respiration. En Pilates, vous devez respirer en harmonie avec chaque mouvement. On ne respire pas avec le ventre, on respire avec les côtes. C'est ce que l'on appelle la respiration latérale thoracique. Principe numéro 2, le centrage. L'objectif du Pilates est d'augmenter la force musculaire abdominale, c'est-à-dire le centre du corps. Dans tous les mouvements, l'engagement de ce centre du corps doit être le point de départ. Il permettra un contrôle et une fluidité de mouvement pendant les exercices. Principe numéro 3, la maîtrise du mouvement. La maîtrise du mouvement en Pilates est complexe car cette notion comprend la concentration, principe numéro 4, c'est-à-dire la relation corps et esprit. Ensuite, il y a les alignements, principe numéro 5, afin d'engager les muscles stabilisateurs. Adopter de bons alignements dans un cours de Pilates vous amènera à de bons alignements dans la vie de tous les jours. Une bonne posture, sans pression inutile sur vos articulations, associée à une respiration efficace, et bien sûr, ça vous amènera à de la stabilité dans la vie de tous les jours. Ensuite, il y a le contrôle du mouvement, principe numéro 6. C'est le fait de garder une partie du corps stable pendant qu'une autre partie bouge. Principe numéro 7, la fréquence et la régularité des entraînements vous guideront vers la maîtrise de ce mouvement avec une exécution précise. C'est le principe numéro 8, une exécution précise et fluide, principe numéro 9. C'est-à-dire sans à-coups et avec régularité. C'était Fabien du studio Pilates et Yoga. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans la zone de commentaires ci-dessous. Je vous invite également à vous rendre sur le site internet commentsafitness.fr. Vous trouverez le planning ainsi que les horaires des cours et toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous. Si vous êtes sur Facebook, pensez à partager. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis rendez-vous au studio et à bientôt.